Salut les enfants! Bonjour! Salut Akilou! Salut! Cette femme, elle est comme ça! La surprise! La surprise! La surprise! Et surtout, il n'y a rien! Ah bah non! Donc je ne sais même pas. Alors t'as pas une petite idée? Bah non! Pour celles qui débarquent, il faut absolument que vous alliez voir la vidéo de mardi, la vidéo de la Birchbox, et en fin de vidéo, j'expliquais à Akilou que j'avais une petite surprise en ce mois de novembre. Vous savez que c'est le mois de mon anniversaire, le mois de mes 30 ans! J'avais envie de marquer le coup. Voilà, j'ai prévu une petite surprise pour Akilou. Elle me crée une surprise alors que c'est son anniversaire, ah oui, que ça devrait être moi qui te. C'est la life, vivre c'est partager. Akilou, c'est exactement. Toi qui me l'as appris. pour la celebration, donc t'as pas une petite idée de. Bon, on va faire un gâteau. On va faire un gâteau. Bah, on sait jamais. Mais comme ça, là, j'ai rien préparé. Bah, peut-être que t'as préparé des trucs en surprise. Il y a des poireaux de sortie pour ce soir. Bon, je vais vous sortir la surprise. On va pas tortiller pendant 10 ans. Cette femme, on l'a perdu du cadre. Tada ! Ah ! Des box. Ne secouons pas trop le truc. C'est ce qu'il y a dedans. Voilà, la petite surprise du jour, c'est que j'ai reçu 2 box. Je me suis dit que ça serait nice. Mais ouais, c'est nice. Mais franchement, pourquoi j'ai pas. Parce qu'en fait, on l'a déjà fait une fois. Voilà, on l'a déjà fait. Avec les deux mêmes marques. Ça vous avait bien plu d'ailleurs. Mmh. Donc, je me suis dit, qui de mieux qu'Akilou pour m'accompagner dans ce sketch. Merci. Évidemment, Akilou, je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Bah, moi non plus. Mais le contenu est évidemment pour toi à la fin de cette vidéo. Oh, ça me fait zizir. Ça me fait dingue. Mais franchement, tu rends dingue. Écoute. Merci, Chacha. Bon, le principe, on fait ça rapidement, les enfants. Vous avez là la box Belle Naturelle que je vous présente tous les 2 mois sur le blog. Alors d'habitude, je fais une revue écrite. Et pour ce mois de novembre, j'ai eu l'occasion de recevoir la Beautiful Box, qui est donc aussi une box bio. Tous les produits sont naturels, made in France, full size, je crois. Il y a 5 ou 6 produits à chaque fois, et vous avez sur 75-80 balles de produits à l'intérieur. Donc en général, on est ça rarement. Fait box. Franchement, ça crée presence. On est rarement déçu par ces box là. Je me suis dit que ça serait cool cette fois-ci que vous l'ayez présenté en vidéo. C'est le mois de novembre, c'est le mois de la folie. Les thèmes, je crois. C'est le mois de la folie. Je crois que les thèmes, c'est un peu le hig. Hein. Ah ouais. On est reparti sur le. Alors, j'ai lu un commentaire tout à l'heure. Ouais. Le hug. Oui, non, mais rien à voir avec la choucroute. Hein. Pour remettre encore une fois dans l'ambiance, dans la vidéo Birchbox de mardi, on vous disait que le thème c'était le Ouija. Moi j'ai le Ouija, le Hij, et il y a une demoiselle qui nous a dit le Ouga. On ne sait pas, on ne parle pas d'allemand. Ah là, pour le coup, faut vraiment on ne peut pas l'inventer. Bon, donc on va ouvrir ça, on va faire un produit chacune. Bah oui. Qu'est-ce que t'en penses, Akilou? Mais c'est parfait. Je voulais juste vous dire aussi que cette box-là, la Belle au Naturel, je l'ai reçue comme ça, telle qu'elle, pas de carton de suremballage. C'est génial. C'est franchement ouais. Nice. Pour le mentionner, il y avait juste le petit paplard avec mon name par dessus et puis un bout de scotch et, ouais. Et voilà. Donc petit big up à Belle au Naturel. C'est parti, Akilou, je te laisse ouvrir. Alors j'ouvre. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Instant coup. Et Madoli, je pense à toi. Cocooning. Voilà. Comme instant cocooning, la box beauté qui vous reçoit les produits. Je vais les lire au fur et à mesure. Donc ouais. Je vais prendre le premier qui est un roll-on de parfum de la marque Aimée de Mars. Mm-hmm. La marque de niche. Là, si on part là-dessus, je crois qu'on va partir sur de la niche. Hein, de la niche. Que sur de la niche. Ça va trop loin. Alors, Aimée de Mars, aroma parfumerie. Tu ouvres et comme ça, moi, jolie. On fait comme ça? Ok, je me défonce les ongles, c'est nickel. C'est ça, moi j'ai pas de vernis. L'iris est l'une des matières premières de la parfumerie portant la plus grande noblesse. Un format roll-on, ultra rapide, 10 ml à glisser dans son sac. Après le sport, Canus. C'est Canus. Et le prix conseillé est de 19. 19 euros. Pour ce roll-on? Ce roll-on-là, ouais. Oui, c'est un full size. Ouais, ouais, ouais. À chaque fois, je vous disais, on a des full size. Qu'est-ce que t'en penses de l'iris? Bon. C'est nice, ça sent super bon. Franchement, ça change un peu par rapport à ce que j'ai l'habitude de porter. Moi aussi. Bon, écoute, une marque qu'on ne connaît pas, ouais. Mais que tu seras contente de découvrir. À moi. Alors, la box. Ah oui, donc tu te souviens? Les cartasses pour présenter les produits. Ça aussi, on aime beaucoup hein, l'originalité du sketch. La marque LC Bio. Je vais te donner tout de suite la petite cartasse. Alors, masque du soir, tendre rosé du jardin. Ça, c'est Canus de chez Canus. Hein. Grave, certifié bio. Ah oui, ils font tout le truc en fait. Ils font l'histoire, la composition, le mode d'emploi. Okay. Donc comme ça, tu sais tout. Bon à savoir, dans le jardin d'Éden de LC Bio, on trouve de la rhubarbe, du coin, de la betterave. Pour consommer vos 5 fruits et légumes par jour, sur réglementaire. Face. Sur ma fesse, sur mon visage, non? Bah oui, non mais sur ta face. Ah, sur ta face.
aller, tu peux mettre ton masque sur ton cul. Pas possible. Sorry. Leurs précieux actifs répondent aux 5 besoins essentiels de la peau. Nettoyer, stimuler, hydrater, nourrir et protéger. Le verger au service de votre beauté. Ça, c'est les masques de nuit que tu peux appliquer en couche épaisse et que tu laisses poser toute la night. Ça, c'est vraiment c'est le plus pratique et c'est ce qui marche le mieux pour renouveler les cellules de ta peau la nuit, quoi. Bah grave. Et alors, ils ont mis donc c'est l'aloe vera, de l'huile de brocoli, de l'huile de cranberry, du beurre de cacao. Et que des super aliments, ça. Mais grave. 28,40€ les 50 ml. Et c'est un 50 ml. Canossa Kilo, ça c'est parfait. Validé. Validaush. C'est parti. La beauté naturelle, soin multi-réparateur, anti-rougeur, peau sensible, multi-active, Repair Skin Care. Donc pareil, hein, c'est un cosmétique bio. Ouais. C'est un soin du visage. Et donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Le soin multi-réparateur certifié bio a été conçu pour apaiser et hydrater les peaux sensibles en profondeur. Il est donc idéal en période de froid. De couleur verte, son action unifie également le teint en gommant remarquablement les rougeurs et les imperfections de la peau. Le soin multi-réparateur certifié bio, là, ils le mettent bien tout le temps. Certifié bio, pas. C'est pour le référencement, tu sais, quand Google dit. Enrichi en camomille, en huile d'aca, un chi, ce soin apaise la peau de toutes les tensions accumulées et lui rend toute son élasticité. Non mais ça c'est nice, tout est dit quoi. Mais grave, donc 38€ le prix conseillé. Et donc il est vert. Et il est vert. Ouais. Et il est bien vert. Hein. D'accord. Ah, il est vert, on dirait qu'il y a... Il y a du... Du concombre du... Ah. Non, qu'ils ont mis un colorant. Ah oui. J'arriverai pas à te dire ce que ça sent. Ah ouais, ça sent... Je sais pas, moi j'aime pas trop. C'est vrai, mais ça sent un peu renfermé, non? Bah... Je trouve que ça sent moins l'enfermé que l'arbre à thé, par exemple. Mmh. Tout ce que tu mets. Mmh. Mmh. Mais ça sent bon. Enfin, okay. Moi, j'aime bien. Et donc, crème de jour, qu'est-ce que c'est, ce truc? J'ai l'impression que c'est ça. Hein. Bah, c'est le matin pour atténuer tes rougeurs. C'est ça. Ok, Akilo, bon, bah, je vais enchaîner avec... Oh là là. Un savon noir liquide de la marque... Really nice. Je ne sais pas. Alors, la marque, c'est Karawan, authentique. Okay. Oh, le packaging, déjà, Canos. Hein. Mmh. J'achète, en train de me faire lire des trucs, mais j'ai eu mon premier rendez-vous ophtalmo, t'as oublié que je suis hyper métrope. Ouais, mais on va plus s'en sortir ici, y'a plus personne, on va être obligé d'aller chercher Loulou pour lire tout notre... Tiens, Kilou, bon alors, courage. Merci, savon noir eucalyptus, plus son gant de gommage. Ah, exactement. Oh, Canos. Ça, nice. Le voici. Bah, ça va frotter sec. Ouais, y'a plus qu'un. Hein. Mais en plus, on m'a offert un... Ah oui, bah, les filles, tu pars avec ça. Née des meilleures traditions orientales tout en s'engageant dans une démarche d'économie solidaire et de développement durable. Bravo, avec un petit... Bon, en fait, j'ai pas dit tout à l'heure, mais à chaque fois, ils te mettent 20% de remis si tu vas sur le shop. Il y a plein de codes de toute façon. Pour la box belle ou naturelle, il y a des concours tout le temps, donc je vous mettrai tout ce que je sais dans l'article associé. Et pour la Beautiful Box, je crois qu'il y a un code promo en ce moment qui vous fait la box à moitié prix ou je sais plus quoi. Enfin, bon. C'est un bon cadeau de Noël. Si vous cherchez des cadeaux de Tout ce que je sais, je vous le mets. S'il y a rien, c'est que j'ai pas trouvé. Et donc, le conseil d'utilisation sous la douche pour une séance de hammam. Bon, on va regarder un peu à quoi ça. 14€ les 120. Ça sent l'eucalyptus. Là, je l'ai pas dit en fait, ça porte teneur en acides gras essentiels et en vitamines, nourrit et lisse la peau en un seul geste, d'huile essentielle d'eucalyptus qui diffuse jusqu'aux voies respiratoires. Ouais, ça c'est... Si t'as une petite manchette là... J'adore, ouais. Le gant en fait c'est de la marque Beautiful Box, ouais. C'est pas la même marque mais... Mais c'est nice, bah petit oui accessoire, c'est clair. En plus. Parfait. Tu peux enchaîner à Kilo. Alors j'enchaîne avec... Carétique, ouais. Douceur de karité, baume de lèvres réparateur. Bah. Ouais, c'est une marque que je connais un peu plus déjà. C'est vrai, moi je la connais pas, mais par contre, canon, parce que le seul truc que je souffre en hiver, c'est mes lèvres. Donc c'est parfait. Fondant ultra réparateur, la formule magique du baume à lèvres douceur de karité naturellement sucré à la stevia provient de la richesse du beurre de karité vierge qui répare, nourrit et adoucit, l'huile d'argan qui régénère. Certifié non traité, bio, équitable. Vegan, cruelty free, zéro pollution. C'est fini. 10,50€. Ouais, c'est un embout. Ah, j'adore. Bah, c'est comme celui que j'ai eu dans la Birchbox, le pao pao. Ah, oui, c'est vrai. Bon, mais écoute, ça t'en fera un. Bah, plus. Ouais. Est-ce qu'il sent quelque chose? La karité, ça sent pas. Non, c'est assez léger comme. Ouais, la stevia, tu peux manger en même temps. Karité, stevia, huile d'argan, tout pour bien nourrir les cheveux aussi, si jamais tu veux. Je vais en mettre un petit peu comme ça. Bon, je chope de l'huile de ricin. Canon. L'huile de ricin de la marque Campagne d'essence. Compagne d'essence, pardon.
C'est une huile végétale bio. Ça, tu l'as chez toi? Bah non, j'ai pas d'huile de ricin. Bien connue pour la pousse des cils, des sourcils, des cheveux. Vrai bah tout ça quoi. Mais j'en ai pas. Comment ça se fait qu'on m'a jamais dit ça? Pourquoi tu m'as jamais dit ça? Oh, écoute, je ne sais pas, on parle de tellement de choses. Oui, c'est vrai, on parle. La genèse de la compagnie d'essence trouve sa source au cœur de la brousse de Madagascar. Il y a 5 ans, Théophane y effectue une mission humanitaire de 2 ans. Moi, ça, ça me plaît, c'est la petite story. J'adore l'histoire. Alors Théophane, raconte-nous une suite de ton histoire. Il y découvre la noblesse et l'efficacité des huiles essentielles. Le scepticisme de l'ingénieur cartésien fait rapidement place à l'émerveillement. Il rentre donc en France, bien décidé à faire de sa nouvelle passion son métier. La compagnie d'essence est née. Et en plus, je viens de voir qu'il y a un petit embout pour bien doser les gouttes. Ah, ça, ouais. Ça, c'est bien pratique aussi. Ça coûte 3,90€. Franchement, c'est pas cher. Hein. Ouais. Théophane, big up. Je retiens ton nom, je retiens ton name. Ouais, parce que moi je connaissais la marque Revel Essence, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois pour les huiles végétales et les huiles essentielles bio. Mais cette gamme-là, enfin cette marque-là, je la connaissais pas. Donc c'est bien nice. Ah, bah là je connais la marque. C'est quoi? Boho. Ah, c'est cool. Ouais, marque de maquillage. Je crois qu'ils font que du maquillage, hein, qu'ils font pas de soins. Green Liner. Cette femme, tu mets de l'eyeliner? Non. Bah, non, je mets un crayon. Tu sais manier le truc? Bah, je sais manier juste sur le bout, quoi. La petite virgule. La petite virgule. Enfin, mais j'en mets jamais avant parce qu'avant ça fait galop. Ça fait galop. Je sais pas le faire, faudrait m'apprendre. Faut que tu m'apprennes. Mais franchement, moi non plus, je sais pas, c'est au fur et à mesure, quoi. Bah, tu le fais toujours bien. Ah non, mais je reviens de loin, hein, Guillaume. C'est parce que j'ai persévéré, mais il y a encore, je sais pas, 2 ans de ça, je savais pas faire du tout. Quoi. Ah ouais? Et c'est parce qu'il y a une période où je faisais ça tous les jours, quoi. Au fur et à mesure, c'est de plus en plus réussi et tu trouves la forme qui convient à tes yeux, quoi. Bah écoute, je vais tester ça. Packaging en bois, en carton, et puis une pointe. Alors c'est pas une pointe feutre, moi je préfère les pointes feutres, là c'est une pointe souple, je sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire. Faut voir, faut que t'apprennes à le manier, quoi. Ouais. C'est une couleur... ouais, c'est du noir. Oh, il est bien... Oh là là, parfait, tout ce que j'aime. Il est bien opaque. Green eyeliner marron bio. Ah, c'est du marron bio. Non, c'est du noir. Non, c'est du noir. Ouais. Sorry, vous êtes trompé. 11,45€. Ouais, bah y a plus qu'à. Hein, qui... Bah ouais, non mais canon. Canon, c'est canon. C'est cool, ça te sort de ta zone de confort. Mais grave. Tester encore des nouvelles choses. Ça c'est Ig. Hein. C'est Ig. Parce que je sais pas si vous allez faire attention. Tant pis, je me lance. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mis le crayon que j'ai dans la box. À sourcil. Bah franchement, ouais, maintenant que tu le sais, et bah c'est bien nice. Hein. Allez-y, lâchez-vous. Non, franchement, c'est nice à kilo. Hein. Bah ouais. Tu la vois la différence, toi? Oui, je la vois, surtout surtout au... Voilà, c'est ça. Comment on dit? La racine. À la racine, à l'essence de mes sourcils. À l'essence de mon sourcil. Bah franchement, ça structure un peu le truc, c'est cool. Hein. Ouais, donc ça va, ça fait et la teinte. Et la teinte est nice pour les blondes. Mais franchement, je vais y revenir. Je ne lâcherai pas l'affaire. Allez, on va terminer par un produit de chez Couleur Caramel, qui est donc la, à peu près la, avec Boho, je crois que c'est les deux marques de maquillage bio les plus connues. C'est une poudre effet bonne mine avec le pinceau. Canon. Donc, en termes d'accessoires, la Beautiful Box, ils ont tout donné. Ah, c'est une poudre, tu sais, avec des trous comme ça, que tu renverses du coup. Non, bah, pas du tout. Il y a un petit film. Il est là. Moi je le vois, ouais, je suis permétrope, mais je vois ça. Un petit blush, voire une poudre, de soleil, quoi. Ouais. En plus, le petit format est pratique pour voyager, parce qu'une fois que c'est fermé, t'as pas de risque, quoi. Et effectivement, c'est en poudre libre, quoi. Donc, faut savoir un petit peu manier le truc, pas trop doser, parce que les pigments les pigments ont l'air bien au taquet, quoi. Histoire, composition, mode d'emploi, vous saurez tout sur le produit de chez Caramel Couleur Caramel. Réputé pour ses cires et ses beurres à propriétés hydratantes et pour ses pigments végétaux et minéraux d'une intensité et d'une beauté incomparables, la renommée de Couleur Caramel ne s'arrête bien évidemment plus à notre frontière. Cette marque n'en finit plus de nous surprendre. Et donc bon à savoir, depuis 5 ans, Couleur Caramel maquille les artistes de la danse, de la chanson et du cinéma au cours des grands événements comme les festivals de Cannes, Danse avec les stars. Et ben, je l'avais vu. Ils sont toujours bien maquillés, surtout Christophe. Christophe Licata. Alors ils disent en blush, effectivement pour toi ça va être canousse, mais pas pour tout le monde. Hein. Ouais. Par exemple, moi je mets ça, là ça se voit, quoi. Bon, après voir comment ça s'estompe, le pinceau est canousse, vachement souple, canon, hyper doux et tout, franchement un peu petit,
je trouve, pour le blush me concernant. En même temps, pas été joue quoi. Bah, les miennes aussi. Hein. Ouais, ça va, t'as le visage plus en ovale quand même que moi. Bon, c'est du détail. Les formes du visage. Et ça coûte combien ce truc là? Eh ben, ça coûte 24,90€. Franchement, laisse tomber quoi. Eh, mais canon hein. Donc voilà qui vient clôturer la box. C'est le ça. Pinceau, on sait pas si c'est Beautiful c'est Box. C'est Beautiful Box. En tout cas, les deux accessoires là qui font bien plaisir pour c'est accompagner clair. Les 4 produits, si je ne m'abuse. Alors, 1, 2, 3, 4. Plus ouais. Les deux accessoires. Et pour donc belle au naturel, ouais. C'est pareil, c'est 4 produits. 4 produits en full size. D'accord, dont un maquillage. Et dont un maquillage, ouais. Et ben tout ça pour le modeste price de, je crois que c'est 34,90€ la belle au naturel. Et la Beautiful Box, il me semble que c'est 39,90€. Comme je vous disais, normalement, il y a peut-être des codes promo en ce moment, Black Friday, tout ça, ça. Il faut être au taquet, quoi. Je me suis dit aussi que ça pouvait être nice de vous présenter ça avant Noël, parce que du coup, ça fait une petite idée cadeau, comme tu le disais oui, tout à l'heure. Oui, je t'ai spoilé, en fait. Oh, si tu l'avais dans la tête, on avait c'était ma conclusion, mais bon, ça te... Elle me coupe l'herbe sous le pied. Bon, ça t'a plu, Akilou? Mais grave. C'était une belle surprise. Une belle surprise. Voilà, les enfants, on espère que cette vidéo bonus vous a fait kiffer. Bah oui. Vous avez peut-être découvert des marques avec nous, des produits et des box sympas qui changent un petit peu de la Birchbox. On n'est vraiment pas du tout sur le même. Non, pas du sur tout. Sur le même territoire, c'est ça. Là, on est sur du full size, sur du bio, donc forcément, la gamme de prix est supérieure. Ouais. C'est cool. Merci, Chacha, pour cette petite surprise. C'est toujours un plaisir, Akilou. De me faire plaisir. Et je te ferai plaisir bientôt aussi. Ok, vivement. En tout cas, nous les enfants, on va se retrouver dimanche pour encore une grande annonce. Cette fois-ci, je serai toute seule, hein, je m'en veux pas. Non, y a pas de problème. Mais j'ai plein de choses à vous raconter, et puis je me suis dit, voilà, comme je vous disais, mois de novembre, j'ai envie de tout vous dire, tout vous balancer, tout... Vous saurez tout. Vous saurez tout. Donc, à dimanche, les enfants. Moi aussi, je vais la prendre en vidéo, ou je sais déjà tout. Non, toi, tu sais, bah oui, bah... Écoute, on sait jamais, je vais peut-être apprendre un truc en regardant une vidéo. On se retrouve bientôt, Akilou. Bah oui. Pour de nouvelles choses, et c'est puis prenez soin de vous, parce que c'est l'essentiel. Oui, des ciao, gros ciao. Bisous, ciao.